Merci et bienvenue à Hebdo Santé sur Média. Nous nous intéressons cette semaine au premier secours, les gestes qui sauvent. Comment réagir face à un accident à la maison, au travail, sur la route, bref, dans n'importe quelle situation. Vous êtes sur ce plateau pour répondre à cette grande interrogation. Monsieur Koulibaly Ibrahim, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes doctorant en médecine et secouriste volontaire à la Croix-Rouge, c'est bien ça? Exactement. Au niveau national, donc, c'est l'ONPC, l'Office national de la protection civile, qui a le lead de cette grande question. Et vous êtes là, Madame Crémien Niamke-Marie, pour nous dire comment les premiers secours sont organisés en Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, je précise que vous êtes sous-directrice de la formation et du recrutement au sein donc de cette structure. En tout cas, vraiment, merci à vous deux d'avoir accepté de participer à cette émission. La première question qui me vient tout de suite en tête, qu'entend-on par premier secours? Alors, merci beaucoup. Avant de répondre à la question, permettez-moi de présenter un peu l'ONPC. Alors, l'Office national de la protection civile est un établissement public à caractère administratif qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Cet établissement a en charge la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de protection civile. Alors, pour revenir à votre question, je pourrais dire que les gestes de secours, c'est vraiment tout un ensemble de techniques et de comportements à mettre en œuvre pour stabiliser, protéger une personne en détresse avant sa prise en charge par les secours médicalisés ou bien même par les secours spécialisés, ou même avant son évacuation dans un centre de santé. Et vous avez parlé de détresse, c'est ça? Oui, de détresse. Ça dit une personne en situation de difficulté, une personne par exemple qui a fait un malaise, une personne qui est en train de faire une hémorragie externe par exemple, en situation de détresse. D'accord. Donc, voilà. Alors, donc quelles sont les dispositions à prendre pour non seulement protéger cette personne, mais également stabiliser vraiment la situation de la personne avant sa prise en charge médicale. Alors, M. Koulibaly, où est-ce qu'on peut rencontrer ce genre de détresse? Dans quel cadre? Sur la route, je l'ai dit tout à l'heure, au travail. Alors, où est-ce qu'on peut avoir besoin de premiers secours? D'accord. D'abord, on peut avoir besoin de premiers secours d'abord à la maison, donc à domicile. Soit un enfant qui s'est noyé, soit donc dans le bain, soit un adulte qui s'est blessé, soit même des chutes, donc à domicile. Au cours des voyages, par exemple, donc des accidents de voie publique, on peut avoir besoin de secours. Pas que ça, on va plus loin même dans le cadre du travail, donc au bureau. Donc on peut être pris d'un malaise, l'un de nos confrères, de nos collègues et tout ça. Donc, on peut avoir besoin de secours partout. Partout, hein? Partout. D'accord. Alors, nous allons donc aller à l'évidence. Ferdinand Kouakou donc a filmé une scène où les premiers secours se sont avérés déterminants. Regardez. Nous sommes à une réunion entre un chef d'entreprise et ses collaborateurs. Et au cours de cette réunion, nous avons un des collaborateurs qui est pris de malaise. Il fait un malaise cardiaque. Le malaise cardiaque va se transformer en arrêt cardiaque. Il a quel problème? Aussitôt, il est pris en charge par un autre collègue parce que dans le groupe, nous avons ce collègue-là qui a des connaissances en matière de premier secours. Aide-le-moi. Il faut tirer la chaise, s'il te plaît. Voilà, allons-y. Là, il allonge son collègue sur le sol. Il est en train de prendre ses constantes. Il fait ce qu'on appelle le bilan. Le bilan, c'est l'examen qui va nous permettre de dire l'état de notre victime et qui va nous permettre de faire le geste de premier secours approprié en fonction de l'état de notre victime. Monsieur Yankon, Monsieur Yankon, si tu m'entends, serre-moi la main, bouge le pied gauche. Il finit de faire l'examen, nous avons le résultat. La victime est inconsciente et ne respire pas.
Après avoir constaté que la victime est inconsciente et ne respire pas, il donne des instructions aux autres. Il demande à un d'appeler les pompiers, il demande à l'autre d'aller chercher le défibrillateur. Le défibrillateur, c'est un appareil qu'on utilise au cours de la réanimation cardio-pulmonaire. La réanimation cardio-pulmonaire se fait lorsque nous avons une personne inconsciente qui ne respire pas. Heureusement pour cette entreprise, elle a un défibrillateur. Pour les exigences de notre exercice, nous allons remplacer la victime par un mannequin parce qu'on n'effectue pas de massage cardiaque sur un cœur qui bat. Sous les instructions du premier qui est en train de faire le massage, ils vont mettre en œuvre le défibrillateur. Et de façon parallèle, de façon simultanée, l'autre est en train d'appeler les pompiers. L'alerte est un élément très important lorsque nous avons une victime qui est prise de malaise ou bien qui est inconsciente. Cette alerte va nous permettre de donner toutes les informations nécessaires aux pompiers. Le secouriste effectue le massage cardiaque sur un certain temps. Là, le cœur commence à battre à nouveau. La victime respire. La victime a repris conscience. La prise en charge se poursuit. Nous assistons à l'arrivée des pompiers. L'échange est en train de se produire. Réunion oui. Et subitement il est tombé, il a perdu connaissance, il okay. Ne respire plus. Toi, prépare-moi la bouteille d'oxygène. Toi, viens relayer le monsieur. Toutes les informations sont mises à la disposition des pompiers. La relève est effectuée. C'est les pompiers maintenant qui prennent en charge notre victime. Les pompiers demandent aux collaborateurs de se mettre juste à côté et la prise en charge se poursuit. Là, ils sont en train d'évaluer la respiration. Maintenant, ils sont en train d'évaluer le rythme cardiaque, la fréquence cardiaque de la victime. Ne vous inquiétez pas, c'est pour juste vous placer la bouteille d'oxygène pour vous permettre de mieux respirer. Vous avez compris? D'accord. Règle à 9. Allez-y, vas-y. Tout doucement. Ils ont fini de prendre en charge la victime. Ils vont conditionner la victime sur un brancard. Le brancard, c'est l'élément qui va permettre de déplacer la victime d'un point A à un point B. Une fois la victime installée sur le brancard, les pompiers vont prendre la victime pour aller conditionner la victime dans l'ambulance et conduire notre victime dans un centre de santé. Notons qu'il est important de se former aux gestes de premier secours car ces gestes de premier secours vous permettront de prendre en charge la victime avant l'arrivée des secours spécialisés. Alors merci à vous, Madame la sous-directrice. Merci également à vos services qui nous ont permis donc de voir cet exercice en grandeur nature. Merci. Alors je vais vous demander, qui est habilité donc à apporter les premiers secours? Parce que dans l'élément, on a vu son collègue qui est intervenu tout de suite et après les pompiers sont arrivés. Alors, tout le monde peut apporter les premiers secours? Oui, évidemment, tout le monde peut apporter les premiers secours, mais en tenant compte du niveau d'information qu'on a. Il y a certaines personnes, par exemple, qui n'ont pas fait de formation en secourisme, qui ne connaissent aucun geste de secourisme, qui peuvent, en tant que premier témoin, protéger la victime, alerter. Ça aussi, c'est une forme de premier secours. Mm-hmm. Parce que lorsque, par exemple, je prends cet exemple-là, vous êtes... en face d'un accident de la circulation où on a une grande circulation, quelqu'un qui est couché sur la route, le premier réflexe que vous aurez, par exemple, c'est de dégager la victime. Même si vous n'avez pas fait de formation en secourisme, vous pouvez dégager rapidement la victime pour éviter que le cas de cette personne ne s'aggrave, pour éviter un suraccident, bien sûr. D'accord. Vous pouvez appeler les secours, leur donner les informations. Ça aussi, c'est une forme de premier secours, même si vous n'avez pas vous ne connaissez pas les gestes de secours. D'accord. Mais il est important quand même d'apprendre ces gestes-là parce que le temps que les secours spécialisés n'arrivent, vous pouvez réaliser certains gestes qui vont permettre de stabiliser la victime ou bien même permettre même à cette personne-là de retrouver ses sens. Allez, vous allez nous dire tout à l'heure où est-ce qu'on apprend ces gestes. Revenons à la scène. Monsieur Bamba a dit que le massage cardiaque se fait sur un temps. À combien on estime donc ce temps de massage cardiaque, Monsieur Boulibaly? D'accord. Lorsqu'on commence le massage cardiaque d'abord, il est important d'arrêter d'abord avant de commencer. Et quand on commence, on ne s'arrête plus. On masse, on fait 30 compressions suivies de 2 insufflations. Et on masse jusqu'à ce que les secours spécialisés arrivent. Donc, lorsque c'est entamé,
on n'arrête pas. Voilà. Donc, il n'y a pas de temps limite. Mais un massage qui dure au-delà de 20 minutes et que la victime ne se remet pas, bon, on ne demande pas d'arrêter, mais cela voudrait dire quelque part qu'on ne pourra plus la récupérer. Voilà. D'accord. Alors, c'est, à partir de quel moment on fait même le massage cardiaque? Est-ce que lorsque quelqu'un, je veux dire, pique une crise, on fait tout de suite un massage cardiaque? Non, non. Lorsque quelqu'un pique une crise, il est important d'évaluer. Donc, on évalue l'état de conscience. Si la personne est inconsciente et qu'elle respire, donc cela veut dire qu'elle ventile, on va plutôt la mettre en position latérale de sécurité pour lui permettre, et ouvrir sa bouche, lui permettre de pouvoir dégager les expectorations, donc le liquide qui va couler de sa bouche. Donc, on ouvre la bouche. Et lorsque la personne ne respire pas, en ce moment, on prend le pouls. Si le pouls il est absent, on est en face là d'un arrêt cardio-respiratoire et il est nécessaire de commencer le massage cardiaque. Mmh. Allez, là, on parle là, on est à fond là-dedans, on parle de gestes qui sauvent. Mmh. Quel geste faut-il faire? Quel geste faut-il pas faire? À propos des gestes qu'il faut faire, bon, je dirais que c'est fonction de l'état, donc c'est fonction de la situation. Parce que qui dit secours ne dit pas forcément arrêt cardio-respiratoire. Ça dépend. Donc, on peut être en face des brûlures, en face d'une électrisation, en face d'un étouffement, en face d'un arrêt cardio-respiratoire, par exemple. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, je dirais, il est dangereux de ne rien faire. Donc, on peut déjà alerter. Alerter et en fonction des connaissances qu'on a. C'est la première des choses à faire. Alerter. Alerter. Et c'est qui on alerte? C'est les secours spécialisés. On alerte les secours spécialisés. On alerte autour de nous pour avoir de l'aide. Parce que, comme j'ai dit tantôt, quand on commence le massage, on ne s'arrête pas. Donc, on peut être fatigué à un moment donné, mais il faut pouvoir se faire relayer rapidement. Voilà. Donc, il faut alerter, appeler quelqu'un autour de nous. Et cette personne-là, peut-être, à elle, pourra appeler les secours. Voilà. D'accord. Comme madame l'a dit, au bord d'une voie à grande circulation, il faut éviter donc il faut le suraccident. Il faut éviter le suraccident. Donc, déjà, baliser la zone de l'accident, dégager la victime. Et puis commencer les gestes. Généralement, dans nos villes, sur nos voies, quand il y a un accident, on voit les badauds qui s'attroupent. Est-ce que c'est bon? Voilà, c'est très dangereux parce que ils vivent, en quelque sorte, ils augmentent le risque. Ils obstruent, ils obstruent la voie 7-7, ils augmentent le risque de ce accident. Donc, en ce moment, le secouriste, il a plus de tâches. Parce que non seulement il faut se protéger lui-même en tant que secouriste, protéger la victime, mais aussi protéger les témoins qui sont là. Donc, s'il n'est pas efficace dans le balisage, et parce qu'un véhicule qui vient à 100 à l'heure, il ne s'attend pas à ce qu'il y ait une troupe quelque part, il peut venir en trip. En fait, donc, il y aura plus d'autres victimes. Voilà. Donc, déjà, on a un ou deux témoins, c'est important de pouvoir dégager, permettre même à l'air de circuler. Voilà. Et permettre la suite de la prise en charge. Merci bien, M. Koulibaly. Je vous retourne la question, Mme Crémière. Est-ce que là, les gestes peuvent sauver, mais est-ce que les gestes mal exécutés peuvent compromettre, je veux dire, le pronostic vital de la victime? Bien sûr. Lorsque le geste il est bien réalisé, bien évidemment, ça va contribuer à stabiliser la victime, à mettre la victime dans une bonne position et puis aider vraiment à la prise en charge médicale. Mais lorsqu'il est mal réalisé, ça peut faire des complications. Ça peut faire qu'au niveau de l'hôpital, on ait des complications au niveau de la victime. Si par exemple, vous avez exécuté un geste alors qu'il ne fallait pas, très dangereux pour la victime. La victime, par la suite, peut être paralysée. En fait, il aura vraiment des conséquences assez lourdes quand même pour la victime. D'accord, donc il est important qu'on sache, qu'on connaisse le geste à réaliser. En fait, les gestes sont réalisés en fonction, comme il a dit tout à l'heure, de l'état de la victime, en fonction du résultat du bilan qu'on a fait. Voilà. Si c'est une personne qui mérite d'être placée en position latérale de sécurité, que vous faites un massage cardiaque, mais vous allez tuer la personne. Parce que là, le cœur de la personne bat. Et tout à l'heure, on a vu dans l'élément que lorsque on ne fait pas un massage cardiaque sur un cœur qui bat. Donc si, au lieu de faire la position latérale de sécurité, vous commencez à masser, vous allez tuer la victime. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais savoir un peu, selon le type d'accident et la victime, est-ce que ces gestes-là peuvent différer? Par exemple, quelqu'un qui est victime d'un accident de noyade, par exemple, est-ce que les gestes changent?
bien sûr, ça diffère. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout dépend du bilan, de l'analyse qu'on fait de la situation. Tout dépend aussi, je dirais, un peu aussi de l'âge de la victime. Par exemple, de la manière dont on fera le massage cardiaque à une personne adulte. C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Pour quelqu'un qui a fait un accident de brûlure, par exemple. Voilà. Et c'est pas aussi la même chose pour un enfant. D'accord. Voilà. Pour deux personnes qui présentent un arrêt cardiaque, si la première personne est adulte, il y a une manière de faire le massage. Si la deuxième personne est un enfant ou bien un bébé, il y a une manière aussi de faire le massage. Donc, tout dépend vraiment de la victime et de l'état de la victime. Alors, M. Koulibaly, est-ce qu'on a besoin forcément d'être outillé pour apporter les premiers secours? Dans l'élément, tout à l'heure, on a vu qu'ils ont fait appel à un défibrillateur. Voilà. Est-ce que là, on a forcément besoin ou alors, les mains nues, on peut sauver des vies? D'accord. Oui, effectivement, les mains nues, on peut sauver des vies. On n'a pas forcément, un secouriste n'a pas forcément besoin de matériel spécialisé pour faire une prise en charge. Mais néanmoins, il y a des règles. Je prends par exemple, quand on te parle, quand on vous dit par exemple une réanimation cardio-respiratoire de base, normalement, il doit avoir un défibrillateur. Mais même quand il n'y en a pas, on peut faire quelque chose. Voilà, donc il n'y a pas d'outils forcément. On se sert de ce qu'on a autour de nous en tant que secouriste pour prendre en charge une victime. Et vous avez des recommandations, Madame Clémien? Bien sûr. Comme au début, on l'a dit, hein, partout où on se trouve, on peut porter assistance à une personne qui est en détresse. Soit par l'alerte, le fait d'alerter déjà, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous êtes le premier témoin, vous avez fait le bon geste en alertant. Le fait de protéger, dégager la victime de là où elle se trouve s'il y a un danger immédiat, dégager la victime. Ça aussi, c'est un geste qu'on pose. Maintenant, connaître les gestes élémentaires de secours, je dirais que c'est un plus. Parce que là, ça te permet de réaliser ces gestes-là en entendant l'arrivée des secours spécialisés. Où est-ce qu'on apprend ces gestes? On l'apprend un peu partout. On l'apprend à l'ONPC, parce que nous avons des sessions de formation. On peut l'apprendre dans les casernes de pompiers, aux gestes fermes, on peut l'apprendre à la Croix-Rouge. Aujourd'hui, la politique de l'ONPC est faite de sorte qu'on ait quand même un plus grand nombre de personnes qui soient formées à ces gestes-là. Donc, il y a des agréments qui sont délivrés à des cabinets de formation pour aider vraiment l'ONPC à former le plus grand nombre de personnes. Donc, vous êtes dans une dynamique de vulgarisation des gestes de secours. Aujourd'hui, la politique du directeur général de l'ONPC, le préfet Makou Kassi Gabin, c'est de faire en sorte que, au moins dans chaque famille, il y ait un secouriste. Parce qu'on ne sait pas où on peut être en face d'une situation critique qui demande la réalisation de ces gestes-là. Donc si partout où on se trouve, on a la chance de tomber sur un secouriste, c'est qu'on est mal à l'aise automatiquement. Ce dernier peut nous prendre en charge. Donc il est important que vraiment dans la société, dans notre... dans nos populations, il y ait vraiment un plus grand nombre de personnes formées à ces gestes élémentaires de secours. Vous avez dit quelque chose de très important, qu'on ait au moins quelqu'un dans chaque famille dans qui chaque maîtrise famille. Donc ces gestes. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que là, aujourd'hui, avec nos occupations, on n'est toujours pas à la maison. C'est soit la servante qui est à la maison avec les enfants. C'est ça. Alors, ça prend combien de temps, ces formations? Alors, les formations sont fonction, du module qu'on dispense. On a des capsules de, 8 à 10 heures de cours, les gestes élémentaires de secours. On a aussi des modules qui nous prennent un peu plus de temps, 80 heures d'apprentissage, de formation. Donc, en fonction de la cible, en fonction des personnes que nous avons en face, on essaie vraiment d'étudier pour voir un peu ce qu'on peut leur donner comme information qui puisse leur servir. Parce qu'il faut dire que quelquefois, on se dit on n'a pas le temps pour aller faire la formation du brevet national de secourisme qui a une durée un peu plus importante. Donc, est-ce qu'il faille aller s'inscrire alors qu'on a la possibilité de s'inscrire au geste élémentaire de secours qui ne dure que 10 heures. 10 heures. Alors, donc, si, même si on est chef d'entreprise, on travaille, on peut étudier la question de sorte que, par exemple, chaque soir, on est 2 heures de formation après le service, c'est intéressant. Les week-ends, on peut se déplacer aussi pour permettre aux gens d'avoir peut-être 5 heures ou bien 3 heures de formation. En tout cas, on s'adapte vraiment à la cible. L'essentiel pour nous, c'est que les gens
les populations s'intéressent vraiment à ces formations-là et qu'elles se forment véritablement. Mm-hmm. Voilà, parce que ça peut toujours sauver des vies, ça peut toujours aider. Vous êtes à la maison, ne sait jamais, la nuit, il y a un problème. Mais dans l'immédiat, là, qu'est-ce que vous pouvez faire? La servante, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les femmes de ménage, elles sont à la maison avec les enfants, l'enfant a avalé quelque chose. Il faut qu'elles aient des notions. Il faut qu'elles aient des notions. Parce qu'elles sont toutes avec les enfants. Voilà. Mais en plus même de ces gestes élémentaires de secours, il y a d'autres informations qu'on met à la disposition des populations pour pouvoir prendre en charge, je dirais, certaines situations. On a parlé un peu des femmes de maison. Quelquefois, le gaz prend feu. Dans les premières minutes, il y a quelque chose qu'on peut faire là. Et vous apprenez tout ça? On apprend tout ça. Pendant les 10 heures de formation, ce sont des informations qu'on leur donne. D'accord. Et puis quelques exercices pratiques pour leur permettre vraiment de faire face à ces situations-là. Les 10 heures de formation nous reviennent à combien, madame? Les 10 heures de formation nous reviennent à 15 000 francs. Seulement? Oui. D'accord. C'est vraiment cette politique-là que le directeur général de l'ONPC met en œuvre pour former le plus de personnes possible. Nous avons également des campagnes de sensibilisation un peu partout à l'intérieur du pays pour permettre aux gens de s'accommoder vraiment à ces gestes-là et de s'intéresser à ces gestes-là. Alors, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, je vais dire, passer, vous pensez avoir suffisamment sensibilisé, je vais dire, et est-ce qu'il ne faudrait pas faire des affichettes, donner des consignes, comme on donne les consignes avec les instincteurs, mon chat? Est-ce qu'il ne faut pas donner, par exemple, des flyers à accentuer la sensibilisation bien auprès sûr. De la population? Bien sûr, la sensibilisation. La sensibilisation, maintenant, pour celui qui veut maintenant pousser le bouchon loin, il peut aller, ou alors il faut de la pratique. Il est important de faire la pratique, parce que c'est vrai, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les informations qu'on peut avoir sur Internet, quelquefois tu regardes et puis tu dis, bon voilà, je peux faire. Mais lorsque tu es en face d'une situation réelle, c'est en ce moment tu constates qu'en réalité, tu ne connais pas ce geste-là. Parce qu'il faut prendre le temps de réaliser, de faire la pratique une fois, deux fois, trois fois. Et même lorsqu'on est formé, on a des séances de recyclage, parce que plus on ne pratique pas, et on oublie ces gestes-là. Et le jour où on est en face de la situation, c'est en ce moment qu'on va commencer à réfléchir à comment il fallait faire, alors que la vie ne tient qu'à un bout de fil. Ça ne nous attend pas, en fait. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas approcher, par exemple, les écoles pour essayer donc d'insérer ces cours-là, dès l'école, à nos enfants? Bien sûr. Je dirais que les cours même étaient déjà insérés dans nos programmes scolaires. Parce que moi, je me rappelle encore, lorsqu'on était encore petite, à l'école primaire, on nous apprenait les gestes de secourisme. Bon, arrivé à un certain moment, ça a disparu. Mais aujourd'hui, avec le directeur général et vraiment sous instruction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, faire en sorte que dans toutes les écoles aujourd'hui, que les enfants apprennent ces gestes élémentaires. Qu'on revienne donc aux fondamentaux. Qu'on forme aussi le personnel de formation, c'est-à-dire dans les CAFOP, à l'INFES, à l'IN. En tout cas, vraiment que toutes les couches vraiment soient formées à ces gestes-là. Voilà. On vous y encourage. En tout cas, on adhère donc à cette dynamique de l'ONPC. Alors, docteur, j'allais dire. Docteur, vous êtes déjà doctorant. Ouais, docteur. Alors, tout à l'heure, dans l'élément, on a vu le directeur de l'entreprise qui est vite intervenu. Mmh. Dites-moi, quelles conséquences il y a? S'il n'y a personne, il y a un accident, il n'y a personne pour intervenir, quelles peuvent être les conséquences? La conséquence la plus dramatique, c'est la mort, bien évidemment. Si personne ne prend en charge la victime, elle va mourir. Donc, il est important qu'il y ait forcément quelqu'un ou que je veux dire que quand une personne est prise d'un malaise, mm-hmm. et que peut-être la personne, si elle est consciente, elle peut elle-même alerter. Mais si elle a perdu connaissance et qu'elle est seule, mais dans les heures qui suivent, si c'est un arrêt cardio-respiratoire, le cerveau commence à avoir des lésions. Au-delà de 3 minutes déjà, il y a des lésions irréversibles qui se créent au niveau du cerveau. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Il est important donc de connaître ces gestes-là. Voilà. Hein, au moins, il faut connaître le minimum pour faire face à certaines situations d'urgence. Comme Madame la sous-directrice l'a dit, on peut être à la maison
il peut avoir donc un cas de détresse. En tout cas, vraiment, merci à vous pour toutes ces informations. Pour celui qui veut faire la formation, il s'adresse à qui, assez rapidement? Pour celui qui veut faire la formation, s'adresse à l'ONPC, s'adresse à la Croix-Rouge, s'adresse au GSPM. Il y a toujours des formations, des sessions de formation qui sont ouvertes dans ces structures-là. Donc, vous pouvez vous rapprocher de l'ONPC. Si vous êtes une organisation, c'est intéressant parce que nous, on s'adapte vraiment à votre planning. Donc, si vous êtes une organisation, vous pouvez nous contacter. On va s'adapter à votre programme. On va s'adapter aussi à la cible qui est devant nous. S'il faut que ce soit une formation de longue durée, on la fera. Si c'est une formation de courte durée, on la fera. Si c'est une sensibilisation pour certains gestes élémentaires aussi, on peut s'adapter à tous ces points. Donc, vraiment, on s'ouvre à tous ceux qui viennent et on s'adapte à leurs préoccupations. D'accord. Voilà. En tout cas, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mieux vaut donc avoir ces rudiments pour certainement faire face et sauver des vies. Merci. En tout cas, à vous, Madame Crémien Niamke-Marie. Je rappelle que vous êtes sous-directrice de la formation et du recrutement à l'Office national de la protection civile, en abrégé ONPC. Merci encore d'être venu également. Merci à vous. Monsieur Koulibaly Ibrahim, vous êtes doctorant en médecine et sécuriste volontaire à la Croix-Rouge. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous. On aura plaisir donc à vous retrouver pour d'autres thématiques sur la question. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, mais les programmes se poursuivent sur Média.